Aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints. L'Église célèbre tous ceux qui ont vécu les béatitudes et qui partagent la félicité de Dieu, qu'on appelle tous les saints. Les saints, c'est ceux-là même qui ont eu un cœur pur, ceux-là même qui ont vécu de justice, d'amour, ceux-là même qui ont vécu de charité, ceux-là même qui ont pratiqué le pardon, qui aujourd'hui partagent la gloire de Dieu. Comme le dit le livre de l'Apocalypse, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont laissé laver leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Oui, laver son vêtement dans le sang de l'agneau, ça veut dire accepter de souffrir pour Dieu, accepter de se compromettre pour Dieu, accepter de faire en sorte que Dieu, par nous, soit mieux connu, mieux aimé et mieux servi. Et les saints sont de tout temps. Il y a les saints d'hier, il y a les saints d'aujourd'hui. Et les saints parmi nous, c'est ceux qui mènent une vie assez simple, assez humble, assez une vie qui n'est pas remplie d'orgueil, mais une vie qui est remplie de petitesse. Ça va se faire petit pour que Dieu puisse nous élever. Alors j'invite tous les chrétiens d'aujourd'hui à pouvoir marcher sur les traces des saints, chacun de nous un saint patron, pour marcher sur ces traces, et puis nous aussi, être des saints en miniature, des saints en commencement. Et pour être sans commencement, c'est très simple. Le Christ nous donne ses béatitudes à vivre. Heureux, vous qui pleurez maintenant. Heureux, les cœurs purs. Heureux, ceux qui sont assoiffés, qui ont faim de la justice et de la paix. Mais surtout, heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on dit toutes sortes de choses sur vous à cause de l'Évangile, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est-à-dire, à cause de Jésus-Christ, nous devons accepter de souffrir, accepter les calomnies, pour pouvoir recevoir cette couronne de gloire dans le ciel. Et comme ici, nous sommes sur une paroisse mariale, faut dire que la première qui nous montre le chemin de la sainteté, c'est la Vierge Marie, qui, de manière humble, de manière effacée, elle qui a reçu Jésus-Christ dans son sein, elle qui a été le premier tabernacle de Dieu, elle ne s'est pas vantée de cette prouesse. Elle ne s'est pas vantée de ce choix, mais elle a vécu en toute simplicité, méditant tout dans son cœur et faisant en sorte que tout puisse atteindre notre vie. Tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle entendait, elle le méditait dans son cœur, dans la simplicité de sa vie. Nous aussi, apprenons à être saints. Apprenons à vivre des sacrements de l'Église. Apprenons à faire de la parole de Dieu notre guide, notre code de la route. Apprenons à être surtout celle et lumière du monde pour transformer notre monde à cause de notre appartenance à Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Bonne fête à tous et à toutes.